Ouais, le petit joueur. Petit joueur, petit joueur. Capi. Ouais, Capi. Abdjoli, tu étais sous Klo Samaya. Tu as 25 euros. A Klo Samaya, il y a un Klo Samaya. Et si Klo Jaga, Klo Jaga, ça va. Klo Jaga, ça va. Ouais, là, c'est mon bleu ferré. Les 6. Ça va ou quoi? Ah, tranquille. Brah, ça va. Sako, Soufi. Ça va? Oui, c'est comment? Ça va. Bien. Chegne. Soloni. Avec Jogri Omar. Ça va. Ouais. Zélé. Ouais, ouais, la flash est ma main. Regarde, il est là. 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 Ça, c'est à moi que tu fais ça? Non. Comme pas d'équipe, c'est un bon jeu. Lui, n'est-ce pas? Là, on est dans une cour pénale. Willy! Oui. C'est bon. Engagement sur place. J'avais fait une promesse et
cette promesse était conditionnée à quelque chose, n'est-ce pas? Nous l'avons reçu hier. Et le DFM est là. DFM, j'ai pris une promesse. Donc, tu nous fais le point de cette promesse, s'il te plaît. D'accord. Merci. Mais, il était prévu, pas exprimer intéressement. Alors, pour les joueurs, pour l'encadrement technique. Un intéressement. Et à l'instant où nous parlons aujourd'hui. Ils comprennent la différence entre prime et intéressement. Vous comprenez, monsieur. Voilà. Donc, voilà. En fait, l'intéressement, c'est du temps de la prime. La prime, elle est réglementée. Mais l'intéressement, c'est vraiment la bonne volonté qu'il y a de ça. Donc, effectivement, on a toutes les dispositions et les virements, les sommes qui vont absolument au niveau de la PDM. Donc, ça veut dire que d'ici la fin de la journée, je dirais que c'est le prime de la France. Tous les joueurs et le staff technique. Oui, tous les joueurs et le staff technique. Ils veulent connaître le montant. Le montant, chaque joueur a droit à 1 million. Je prends ce cas. Et l'engagement technique, conformément à la réglementation du sélectionneur, il a 2 millions. Il a le double. Oui, il a le double. Bon, c'est pas la peine de donner ça. Donc, c'est la base même du montant. C'est bon, les bons ils connaissent déjà le pourcentage. Voilà, monsieur le ministre, la situation aujourd'hui. Du président de la transition. Parce que c'est lui, notre premier leader, c'est à son nom qu'on donne le drapeau. Parce que le drapeau, lorsqu'on le donne, ça veut dire que vous représentez le pays. Vous savez, il y a. Dans deux circonstances, on voit vraiment la présentation sous le drapeau, c'est vous et l'armée. Donc c'est pour dire à quel point vous êtes important dans la nation. Vous êtes l'équipe nationale. Et c'est pour cela que le département est pleinement impliqué, que l'État est impliqué lorsqu'il s'agit de l'équipe nationale. Parce que vous êtes la nation. Quand vous sortez, vous parlez au nom de la nation. Et quand vous jouez au nom de la nation. Ce n'est pas Aboubakar, ce n'est ni Ousmane, ce n'est plus Ladi, c'est le Mali qui joue. Et vous jouez au nom du Mali. Là où vous allez aujourd'hui, c'est au niveau des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, même dans l'histoire, c'est pour les titans, c'est pour les grands hommes, c'est pour les meilleurs. Et pour nous, vous êtes des titans, vous êtes des grands hommes, vous êtes les meilleurs pour nous. Donc nous sommes certains que lorsque vous allez participer à ces Jeux Olympiques, vous allez le faire de la plus belle manière. Le moral que moi j'ai vu à Kabbalah, c'est le moral des hommes forts. Parce que les hommes forts, vous savez, ce ne sont pas ceux qui crient le plus. C'est ceux qui sont concentrés sur l'objectif. Et qui savent se relever lorsque c'est difficile. Qui savent prendre des coups sans forcément se plaindre. Et c'est ce que vous avez fait. Lorsque je suis arrivé, vous ne vous êtes pas plaint. Vous avez écouté attentivement, malgré qu'il y avait des difficultés liées à ces intéressements, mais vous l'avez pris avec philosophie. Avant que je ne puisse dire ce que j'avais à dire, j'ai vu le moral qui était là, je l'ai vu dans les yeux de beaucoup. Aujourd'hui, nous cherchons des joueurs qui jouent pour le Mali. Nous ne cherchons pas des talentueux. Nous ne cherchons pas des individualités. Nous cherchons des gens qui jouent pour nous. Qui joue pour le Mali et le peuple malien. Parce que tout simplement, vous nous procurez des émotions. Les émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, lorsqu'on voit que le joueur a tout donné, nous ne pouvons rien lui reprocher. Ce n'est pas un défilé de mode. Ce n'est pas une séance d'entraînement. C'est qu'on vous envoie à une compétition de très haut niveau. Et vous êtes là-bas aujourd'hui, vous faites la fierté de notre pays et... Parce que tout simplement, vous avez montré le talent pour arriver à ce niveau-là. Ce n'est pas un cadeau qu'on vous a fait. C'est parce que vous avez brillé pour arriver à ce niveau-là. Et nous comptons sur vous pour continuer à briller au niveau de ces Jeux Olympiques. Nous comptons énormément sur vous. Donc, ayez toujours en tête, et dans le cœur, et dans la foi, et dans l'esprit, que vous avez tout un peuple qui est avec vous. Que vous jouez au nom d'un peuple. Que vous marchez au nom d'un peuple. Que vous vibrez au nom d'un peuple, que vous parlez au nom d'un peuple et que vous réagissez au nom du peuple malien. Si vous avez ça en tête, vous avez tout compris.
si vous n'avez pas compris ça, c'est que vous n'avez rien à faire dans l'équipe. Nous voulons des gens, des patriotes. Lorsqu'on parle de patriotisme, il ne s'agit pas d'un vain mot. Il s'agit d'avoir des acteurs qui savent pourquoi ils sont en mission. Vous êtes en mission autant que les militaires sont en mission sur le terrain. Un militaire qui va sur le champ de bataille et qui hésite, il se fera tuer. Vous devez être sur le terrain en ayant en tête que vous êtes en mission. Vous êtes là pour une mission précise. Et vous êtes là au nom du Mali. Vous êtes là au nom du peuple malien. Vous n'êtes pas là pour qui que ce soit d'autre. Vous êtes là au nom des Maliens. Si vous le comprenez, nous sommes avec vous. Et c'est ce que vous devez avoir chacun de vous, sans exception, en tête. Aussi talentueux que vous puissiez être, si vous n'avez pas ça en tête, c'est que vous n'avez rien à faire dans l'équipe. Mais si vous êtes là, c'est que vous croyez en ce que vous avez comme mission et que vous croyez en ce que vous avez, vous, comme compétence et, pour amour, et par amour pour le pays. Vous êtes là pour le Mali. Et moi, je suis là aussi pour vous le rappeler, pour dire que nous sommes entièrement, mais entièrement, depuis le président de la transition, en passant par le gouvernement et tout le peuple malien, nous sommes derrière vous. Nous vous supportons. C'est vrai qu'il l'a dit, au niveau des Jeux Olympiques, il y a d'autres disciplines qui sont là-bas. On le veuille ou pas aujourd'hui, le football, c'est le sport roi. Le drapeau, c'est vous. Les autres vont briller, mais vous devez aussi briller. Briller par les efforts que vous allez donner. Les résultats, après, comme il l'a dit, tout est entre les... C'est la volonté de Dieu qui va primer là-bas aussi. Mais ça trouve que vous avez tout donné. On a vu que vous vous êtes battu jusqu'à la dernière sueur. En ce moment, on ne pourra rien vous dire ni rien vous reprocher. Je suis très fier que vous soyez là, très honnêtement. J'avoue qu'après vous avoir rencontré le week-end, j'ai très bien dormi. Parce que j'ai vu des acteurs très joyeux. Hein? Entre vous, je vois qu'il y a une camaraderie qui est là. Il y a cette sérénité qui est au fond de vous, mais vous ne vous empêchez pas de rire. Vous savez, il y a une expression anglaise qui dit « Work hard, play hard ». Et c'est ce que vous exprimez. Tant que vous allez jouer pleinement et à fond, vous avez le droit de sourire. Mais il faut d'abord travailler. Votre travail aujourd'hui, c'est sur le terrain. Dès que vous rentrez sur le terrain, ce n'est ni le ministre, ni le ministère, ni la fédération. C'est vous les seuls responsables, avec Conti et son équipe. Donc vous serez les seuls à être critiqués sur le terrain. En dehors du terrain, nous sommes responsables, nous, au niveau du département et de la fédération. Donc le jour où vous allez avoir le ballon au pied, ne vous dites pas, mais le ministre, là, moi, j'ai pas vu mon virement. Là-bas, ce n'est pas ce qui compte. Là-bas, c'est le foot qui compte. C'est la façon dont vous allez jouer et la façon dont vous allez performer. Mais nous croyons en vous. Je pense que nous avons beaucoup de bons espoirs. Et vous savez, l'espoir, ça fait vivre. C'est ce qui nous fait vivre aussi. En vous voyant, nous vivons parce que nous croyons en vous. Et nous espérons, Inch'Allah, que vous allez aller le plus loin possible pour faire plaisir au Mali. Rappelez-vous, hein, il a parlé de 2004. Ça fait 20 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'écrire l'histoire. Votre histoire. Il y a 20 ans, c'était les Momo Sissoko. C'était les ténèbres. Mais aujourd'hui, c'est vous. Vous allez écrire l'histoire 20 ans après. N'oubliez pas ça. C'est-à-dire que quand vous allez mettre votre nom, graver votre nom aux Jeux Olympiques, ce sera 20 ans après ces acteurs. Vous rentrez dans l'histoire du Mali et des Jeux Olympiques. Nous vous souhaitons bonne chance. Et qu'Allah vous protège. Et vraiment, je tenais à remercier également le staff technique. Entraîneur, je sais que ce n'est pas facile, mais avec les efforts que vous êtes en train de faire aujourd'hui, nous allons pouvoir aussi nous marcher la tête haute au niveau des Jeux Olympiques. J'aurais aimé être sur place, mais je pense que le secrétaire général sera sur place pour me représenter. Moi, je serai ailleurs. Non, en réalité, je serai en Corée du Sud. Mais je serai là-bas à penser à vous, Inch'Allah. Mais je sais qu'avec tout cet encadrement et toute la patience que vous avez eue, hein, lorsqu'on m'a parlé de tout ce temps que certains ont fait à travailler sans rien du tout,
c'est quasiment du bénévolat que vous avez fait. Et vraiment, nous vous remercions pour ça. Nous vous remercions pour l'amour, parce que sans amour, vous ne l'aurez pas fait. C'est parce que vous aimez ce que vous faites, et surtout, vous croyez en ce que vous faites. Et nous vous remercions pour cela. Comptons sur le coach. Nous savons déjà tout ce qu'il a comme amour, comme passion. Nous savons que c'est sûr qu'il l'a bien transféré au niveau des joueurs. Et nous prions pour vous aussi. Nous remercions tous ceux qui sont là, la fédération et tous les autres acteurs qui se sont investis pour qu'aujourd'hui soit un jour où nous pouvons lever la tête et participer aux Jeux Olympiques. Donc je vais passer à la remise du drapeau. Discussion pour que vous puissiez parce que sans ça vous ne pouvez pas jouer la vie. Ils ont tous leur nom derrière. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et sachez que nous sommes là. S'il n'y a quoi que ce soit, même si c'est là-bas, tenez-nous au courant. S'il y a des difficultés, nous serons là pour essayer de répondre au mieux, dans le meilleur possible. Donc voilà l'ordre de mission. Lui, c'est les drapeaux. Lui, c'est les drapeaux. Voilà, ça c'est tout le maillot. Je ne sais pas si on vous a expliqué le symbole du drapeau, mais toutes ces couleurs-là veulent dire quelque chose. On ne verra pas peut-être dans les détails, mais ça c'est toute la conviction, tout l'amour, tout le patriotisme et tout le peuple malien. Et ça, je vous le donne au nom du président de la transition. Sachez que lorsque vous regardez les combats aussi, vous voyez, il y a toujours les militaires qui courent, il y a quelqu'un qui tient le drapeau. Il ne tombe jamais. Parce qu'à chaque fois, même si celui qui a le drapeau prend une balle, quelqu'un d'autre rattrape le drapeau et continue le combat. Donc j'aimerais que chacun de vous, on le donne au capitaine, mais chacun de vous, vous êtes porteur de drapeau. Donc soyez fiers de cela et portez le drapeau pour vous, pour le peuple malien. On vous souhaite vraiment tout le courage qu'il faut dans ce noble combat. Bon courage. Merci.